et astuces. Épisode spécial! Eh bien, bonjour à tous, c'est Nbess et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo trucs et astuces sur Battlefield 3. Ceci n'est pas une blague, même si je profite un petit peu du 1er avril pour la diffuser, même si on n'est plus 1er avril vu que j'ai pris de retard, pour des raisons que j'expliquerai peut-être plus tard. Toujours est-il que dans ce truc astuce, il faut réanimer son coéquipier en même temps qu'il se fait tuer par votre ennemi. Ainsi, Hobbit m'a réanimé pendant que Diabolique me tuait. C'était vraiment à la millième de seconde même où je meurs, je me fais réanimer. Ensuite, je rentre dans l'hélicoptère, et à partir du moment où je suis dans l'hélicoptère, on a Hobbit qui va me poser tout simplement dans le ciel, et je vais rester en l'air, tout simplement. Alors vous allez me dire, oui c'est cool, tu peux rester en l'air, mais t'es vachement invisible. Non, car non seulement vous êtes en l'air, mais aussi vous êtes invulnérable, mais en plus vous êtes invisible. C'est un triple glitch de Battlefield 3 qui vous rend invulnérable, invisible et n'importe où sur la map. C'est quelque chose d'assez énorme et c'est pour ça que je n'ai jamais diffusé ce truc astuce, si ce n'est, eh bien, aujourd'hui, puisque voilà, je me suis dit, allez, j'ai fait un petit sondage la dernière fois qu'on était sur un live de BF4, on m'avait dit, oui, c'est bon, le jeu, il est vieux, il a été patché, c'est bon, il n'y a plus de soucis, donc tu peux le diffuser. Alors voilà, je voulais quand même vous le diffuser parce que ça date des, comme il y a quelques années, vu que d'ailleurs, bah, Hobbit et Diabolique ne font plus partie de la team aujourd'hui. Notamment, donc c'est vrai que ça date un peu, mais je voulais vraiment vous le montrer parce que ça me tenait à cœur de ce petit truc astuce que j'avais filmé à l'époque et puis que j'avais jamais montré. Voilà un petit peu les dossiers secrets, les dossiers cachés qui ressortent, les dossiers confidentiels qui sont déclassifiés. Et donc on peut partir avec l'hélicoptère, on peut vraiment se mettre n'importe où sur la map. Et comme vous pouvez le voir, je suis totalement invisible, invulnérable, et même les killcams, eh bien, on voit rien, on voit le ciel, tout simplement. La seule chose qu'on voit, c'est la petite flamme qui sort, eh bien, du fusil. À noter, par contre, il y a quand même un petit défaut à ce glitch, c'est qu'on ne peut pas bouger tout seul, nous sommes bloqués. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas avancer, je suis dépendant de l'hélicoptère pour pouvoir bouger d'un endroit à un autre. Ceci étant dit, quand vous êtes sur un serveur avec 3000 tickets, l'hélicoptère vous pose une fois à un endroit, et après c'est bon, vous êtes tranquille pour toute la partie. Ceci étant dit, je n'ai jamais essayé de le faire, donc je ne pourrais pas vous dire si ça marche ou pas. Enfin, à mon avis, c'est le genre de truc que si vous le faites, vous faites un kick, ou plutôt ban, et que tous les joueurs en face quittent, à mon avis. Mais j'ai jamais essayé, et d'ailleurs là, petite précision, nous sommes sur un serveur Unrank, et il n'y avait que nous trois, et je n'ai jamais utilisé ce glitch, déjà d'une parce que c'est mal, voilà, et aussi il faut voir que c'est très difficile à faire, ça peut paraître simple dans l'idée, hein. Comme je dis, encore une fois, et comme toujours, le principe est vraiment très simple, il faut être réanimé en même temps qu'on meurt. Donc dans l'idée c'est facile à faire, mais le laps de temps est tellement court, parce que ça se joue en fait dans la latence du jeu, donc il faut qu'il y ait un petit lag, il faut se réanimer pendant ce petit lag entre la mort et la réanimation. Donc c'est assez complexe à faire, et concrètement ça prend quand même pas mal de temps, il faut enchaîner beaucoup de réanimations pour réussir au bout d'un moment à activer ce glitch, et normalement il n'est plus disponible, hein. On pouvait toujours essayer, peut-être qu'il y a encore, mais il me semble qu'il ne fonctionne plus. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je le diffuse. Et voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo un peu spéciale qui est vieille de quelques années vous fera plaisir. C'est un peu ma vidéo 1er avril, même si c'est passé, c'est pas grave, on s'en fout. Ceci étant dit, petite information, j'en profite au passage. Dernièrement, je n'étais pas trop présent sur YouTube parce que j'avais une semaine de partiel, une semaine sans électricité, quelques jours à Paris, encore une semaine de partiel, tous les dossiers CV, lettres de motivation à faire qui me prennent beaucoup de temps, encore des partiels, je retourne à Paris dans quelques jours. Donc voilà, il y a juste beaucoup de choses à faire. Et après, je suis en vacances. Et enfin, normalement, à moins que je trouve un petit boulot histoire de gagner un peu d'argent pour cet été et que je passe mon permis aussi, mais autrement, je devrais avoir plus de temps libre et donc le rythme de vidéo devrait reprendre et bien début mai, normalement, même si je vais quand même essayer d'en faire avant, bien évidemment, notamment celle-ci. Bref, écoutez, moi c'est toujours un plaisir, je suis vraiment content de vous retrouver. Je vous dis bye bye et à la prochaine. And I love you guys, just